Bonjour, commissaire. Bonjour, Morin. Comment va ta femme? Beaucoup mieux, merci. Elle quitte l'hôpital la semaine prochaine. Très bien, parfait. J'espère que tu vas la dorloter un peu. Ah oui, ça, comptez sur moi. On en reparlera dans 15 jours. Commissaire Chani, j'écoute. Tiens, bonjour vieux, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Un peu de mal à reprendre le collier, comme chaque année. Oui, je m'en doute. Quoi? Salvatore Battista? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah oui, oui, attends. Oui, oui, je vois, je vois. Bon. Bon, eh bien, je le note sur mes tablettes. Si jamais j'entends quelque chose, je te ferai signe. Oui. Oui, entendu, un de ces jours. Au revoir. Dubois! Oui, patron. Rien de spécial? Non. Ah si, le juge Vernon a demandé que vous le rappeliez, mais pas avant 4 heures. Bon. Tu as déjeuné? Avec un apéritif et 3 demi, oui. Par cette chaleur, c'est pas très malin. Tâche de t'en tenir là, hein? Mais oui, soyez sans crainte, je viens de faire monter une bouteille d'eau. Bon. Et notre visiteuse est toujours là? Pas bougé de sa chaise. Je lui ai conseillé d'aller déjeuner. J'ai proposé de lui chercher un sandwich ou quelque chose à boire. Rien à faire. On a l'impression qu'elle pourrait aussi bien rester là 15 jours ou 3 semaines. Bon. Ben, je vais la recevoir. Alors. Après tout, on verra bien. Fais-la entrer, veux-tu? Tout de suite, patron. Dubois. Oui. Donne-moi un petit coup de sonnette d'ici 10 minutes que je puisse éventuellement m'en débarrasser. Bon, d'accord. S'il vous plaît, madame. Le commissaire Chani va vous recevoir. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Si j'ai tellement insisté pour vous voir personnellement, c'est que j'ai souvent entendu parler de vous comme d'un policier consciencieux, compréhensif, et pas comme les autres. C'est flatteur. C'est très injuste envers mes collègues en général, croyez-moi. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Madame... Le Royer. Hélène Le Royer. Eh bien, je vous écoute, madame Le Royer. Que puis-je faire pour vous? À vrai dire, je l'ignore. Peut-être rien du tout. Peut-être me conseiller. J'ai très peur, monsieur le commissaire. De? De mon mari, duquel je vis séparée depuis 2 ans. Parce que je refuse de lui accorder le divorce, qu'il ne peut obtenir sans mon consentement, il a décidé de m'assassiner. Diable! Vous n'allez pas me dire qu'il a pris soin de vous en prévenir, tout de même. Pas tout à fait, mais presque. Et depuis, il a déjà essayé de me tuer à 2 reprises. De quelle façon? La première fois, c'était il y a 3 jours, chez moi. Je l'ai surpris en train de verser dans le verre que je m'étais préparé une dose supplémentaire de somnifère. Et c'est un produit assez fort que je prends chaque soir depuis des années. À petite dose, il est sans danger, mais... Si j'avais bu celle que mon mari m'a versée, je ne me serais sans doute pas réveillée. Mmh. Et la seconde tentative? C'était hier soir, vers minuit, alors que je rentrais chez moi. Il a tenté de m'écraser avec sa voiture et il a bien failli réussir. Comment s'est-il pris? Il savait que j'allais au théâtre avec une amie hier au soir. Il a dû guetter mon retour. En sortant de mon garage, qui est à 500 mètres de chez moi, j'ai soudain entendu une voiture qui fonçait dans ma direction. Alors, prise d'un pressentiment, je me suis jetée sous l'abri d'une porte, et la voiture est passée à quelques centimètres de moi, complètement sur le trottoir. Si j'avais seulement pris le temps de me retourner d'abord, je n'aurais sûrement pas eu celui de gagner la porte. Mmh. Mais y a-t-il eu des témoins? Non, malheureusement. J'habite rue Saint-Gère, à Passy.
Passer 10 heures du soir, c'est presque totalement désert. D'ailleurs, s'il y avait eu quelqu'un, je suppose que mon mari se serait abstenu. C'est probable, en effet. Et vous êtes certaine que c'était bien votre mari? Si je vous disais que j'ai eu le temps de l'apercevoir, je mentirais. Mais c'était bien sa voiture. D'ailleurs, si j'avais pu avoir le moindre doute, il l'aurait dissipé lui-même ce matin. Comment cela? Il m'a téléphoné, vers 10 heures. Très aimablement, un peu ironique. Il m'a demandé si j'avais passé une bonne nuit, et si j'avais réfléchi à notre conversation d'il y a 3 jours. Pour quelqu'un d'ignorant, notre conversation eût sans doute semblé anodine, mais pour moi, c'était une menace à peine voilée. Si tu n'acceptes pas le divorce, tu sais maintenant ce qui t'attend. Pourquoi ne voulez-vous pas divorcer, Madame Leroyer? Séparée depuis 2 ans déjà, en face d'un homme qui en arrive à de telles extrémités, ce serait probablement la meilleure solution, non? Pour moi, le divorce n'existe pas, monsieur le commissaire. Je sais bien que cela peut paraître anachronique, mais c'est ainsi. Dans ma famille, quelles que puissent être les circonstances, on n'admet pas le divorce. Mon mari le savait, d'ailleurs. Je l'avais prévenu. À cause de cela, lorsqu'il m'a demandé en mariage, je lui avais imposé 1 an de réflexion. Depuis combien de temps êtes-vous mariée? 12 ans. J'ai 35 ans et mon mari 45. Pas d'enfant? Non, hélas. Comment se fait-il que votre mari n'ait pas choisi ce prétexte? C'est une cause de divorce pourtant. Pas en l'occurrence, non. Les 3 spécialistes que nous avons consultés sont formels. Je pourrais très bien, quant à moi, avoir des enfants. Oui, évidemment, dans ce cas. Excusez-moi. Oui? Ah oui, non, merci. Non, c'est pas la peine. Non. Occupe-toi des affaires courantes. Ne me dérange que si c'est nécessaire, tu veux? Oui. Entendu. Pour ne rien vous cacher, Madame Leroyer, je suis très embarrassé. Je comprends que vous ayez peur, je voudrais bien vous aider, mais je n'en vois guère le moyen. Votre mari peut bien tenter de vous assassiner 10 fois par jour, aussi longtemps qu'il échouera, tant que nous n'aurons pas de preuves tangibles. Nous ne pourrons rien. Autrement dit, vous n'interviendrez que lorsque je serai morte. N'exagérons pas. La police ne peut effectivement intervenir qu'à partir d'un fait précis. Il n'est pas nécessaire que ce fait soit un meurtre. Évidemment, si nous avions une preuve de ces 2 tentatives, ou même d'une seule, tout serait beaucoup plus simple. Pour hier soir, je ne peux naturellement rien prouver. Mais pour l'autre jour, pour le poison, j'ai peut-être quelque chose. Quoi donc? Mon flacon de somnifère. Depuis que j'ai vu mon mari s'en emparer, je n'y ai plus touché. Et je l'ai laissé là où il était. Si les empreintes représentent pour vous une preuve, il y en a certainement. Oui. Devant un jury, ce ne serait certainement pas une preuve absolue. Bah, c'est tout de même quelque chose. Et est-ce que votre mari vient souvent chez vous? Pratiquement jamais. Lorsqu'il m'a téléphoné il y a 3 jours pour me demander s'il pouvait venir, il y avait plus 1 an que je ne l'avais pas vu. Bon, c'est très bien ça. Si vous aviez conservé des relations d'amitié, ces empreintes n'auraient pas signifié grand-chose. Mais là, c'est différent. Quant à hier, pour cette tentative d'écrasement, rien ne dit que nous ne trouverons pas finalement un témoin. Après tout, derrière les rideaux tirés, tout le monde ne dort pas forcément. Quelqu'un a pu l'apercevoir en train de vous attendre. Le seul ennui, c'est que tout cela nécessiterait une enquête qu'il ne m'appartient pas d'ouvrir sans une plainte en bonne et due forme. Or, pour déposer une plainte, ce que vous me rapportez est tout de même assez mince. Et si vous alliez trouver mon mari pour essayer de l'intimider? Se voyant découvert et la police au courant, il n'osera probablement plus rien tenter. Oui, ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Aucune plainte n'étant déposée, ce serait de ma part un abus d'autorité. C'est un délit avec lequel le code pénal ne plaisante pas et qui pourrait me coûter ma situation. Ah. Non. Eh bien, dans ce cas, n'en parlons plus, monsieur le commissaire. Je vous ai dérangé inutilement. Je vous en demande pardon. Attendez. Tout ça n'est pas facile, mais il y a peut-être un moyen.
De toute façon, si je vous laissais partir maintenant et qu'il vous arrive malheur, je me le pardonnerais difficilement. Voici ce que nous allons faire. Je vais procéder comme si vous portiez plainte et enregistrer votre déposition. Simplement, au lieu de vous faire attendre pour la signer, je vous demanderai de revenir demain après-midi. Ça nous donnera 24 heures que nous allons tenter de mettre à profit, relever des empreintes, recherche d'un témoin éventuel pour hier soir. Si nous obtenons de quoi soutenir suffisamment la plainte, nous l'enregistrons. Dans le cas contraire, nous essaierons de trouver autre chose. Je ne sais comment vous remercier, monsieur le commissaire. Vous me remercierez plus tard, lorsque vous aurez cessé d'avoir peur. Pour l'instant, je vais appeler mon adjoint et nous allons enregistrer votre déposition. Dubois. Oui, patron. Prends ton bloc, viens par ici, tu veux? Voilà, il arrive. Inspecteur Dubois, mon adjoint, Madame Leroyer. Madame. Bonjour, inspecteur. Madame Leroyer vient d'être l'objet de la part de son mari de 2 tentatives de meurtre en 3 jours. Elle a décidé de porter plainte, mais les preuves n'étant pas très probantes, nous allons voir ça d'un peu plus près. Prends bien note de tous les détails, n'hésite pas à demander les précisions qui te paraîtront nécessaires. Très bien, je note. Commençons par l'état civil, voulez-vous. Le vôtre et celui de votre mari, madame. Hélène Leroyer, en 2 mots. Née Saltel. Le 31 octobre 1929 à Besançon. Profession? Sang. Casier judiciaire. Pas de condamnation? Non. Bien. Votre mari maintenant. Leroyer, Georges Raoul. Né le 16 janvier 1920 à Paris. Industriel. Quel genre d'industrie? Mécanique et outillage de précision, une usine à Montreuil. En société? Dont nous sommes majoritaires, oui. Mon mari et moi sommes mariés en communauté. Vous vivez des revenus de cette usine? Plus une pension que me verse mon mari, oui. Bien. Bon, revenons-en maintenant au fait que vous m'avez rapporté. Précisez-moi certains points, voulez-vous, madame. Depuis combien de temps exactement êtes-vous séparée de votre mari? Il y a eu 2 ans, le 15 juin dernier. Dans quelles circonstances, cette séparation? Et quel genre d'homme est votre mari, s'il vous plaît? C'est un homme séduisant, et dont le trait principal a toujours été de beaucoup aimer les femmes. 1 an après notre mariage, il me trompait déjà. Ouvertement? Oui et non. Il prétendait qu'il s'agissait d'aventures sans importance, et il n'en faisait pas mystère vis-à-vis de moi. Par contre, ne voulant pas que sa femme prête à sourire, il évitait de s'afficher. Et vous, vous acceptiez? Le seul moyen de ne pas accepter ce genre de situation, c'est de brandir la menace du divorce. Sachant qu'il n'en était pas question pour moi, mon mari se sentait fort. Pardonnez-moi mon indiscrétion, madame, mais votre mari, était-il amoureux de vous? Je crois sincèrement qu'il n'a vraiment aimé que moi pendant 10 ans. Et puis... Oui? Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. À force d'accumuler les aventures, il a fini par tomber passionnément amoureux. Il m'en a parlé tout de suite, précisant qu'il se donnait 6 mois pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une passade. Les 6 mois écoulés, presque jour pour jour, il est parti, définitivement. Vous l'avez revu tout de même? Pour convenir d'un modus vivendi et pour régler certaines affaires, oui. Par la suite, je lui ai dit que je ne tenais plus à le voir. Vous ne gardiez donc aucun espoir de le reprendre un jour? Il est toujours mon mari. Il peut revenir quand il voudra, mais pas en passant, et pas en continuant de vivre ailleurs. Il n'a pas intenté de demande en séparation? Non. Sans le divorce, il y voyait une complication inutile pour nos affaires. Il s'est installé publiquement avec sa maîtresse, et depuis plus d'un an, je ne l'avais pas revu jusqu'à il y a 3 jours. Il m'avait téléphoné la veille, en insistant beaucoup pour que je le reçoive. Que voulait-il? Me prévenir qu'il voulait absolument divorcer, et qu'il ne reculerait devant rien pour y parvenir. J'ignore s'il est venu avec l'intention de tenter quelque chose le soir même, mais l'occasion s'étant présentée, il ne l'a pas laissé passer. Hey. Est-ce que votre mari est lunatique, Madame Leroyer?
pas spécialement, non? Pourquoi? Parce que son comportement est assez surprenant. Il semble s'être fait l'idée de ne pas divorcer et vous ne le voyez pas pendant plus d'un an. Et brusquement, d'un jour à l'autre, le voilà prêt à tuer pour l'obtenir, ce divorce. C'est tout de même bizarre, ne trouvez-vous pas? À tel point que je lui ai fait la même remarque, si. Mais il m'a expliqué que sa... Enfin, sa compagne était aux États-Unis pour un séjour de 3 mois. Ayant décidé de l'épouser, il voulait lui faire la surprise et être libre lorsqu'elle rentrerait. Oui. Et devant votre refus réitéré, il a finalement choisi une procédure plus expéditive. Comment s'y est-il pris avec votre somnifère? Oh, assez simplement. Et en profitant du hasard, je crois. Lorsqu'il a sonné, j'étais en train de compter les 10 gouttes de mon somnifère. C'est un sédatif puissant, je vous l'ai dit, mais dont les effets sont assez lents, et que je prends toujours 1 heure ou 2 avant de me coucher. J'ai posé le verre sur une petite table, je suis allée ouvrir, et je n'y ai plus pensé. Mon mari et moi avons d'abord parlé un peu, puis il m'a demandé de lui offrir un whisky. Pardon, madame, est-ce que c'était avec l'idée de vous éloigner? Très franchement, ça je ne sais pas. Peut-être n'a-t-il vu le flacon et le verre qu'au moment où je l'ai laissé seul. Toujours est-il que j'étais dans ma cuisine en train de chercher de la glace, lorsque j'ai entendu mon mari se déplacer. Intriguée, je me suis avancée un peu et, par l'intermédiaire d'un grand miroir qui est dans mon salon, je l'ai vu, en train de verser dans mon verre, un bon quart du flacon. J'en suis tout d'abord restée le souffle coupé. Et puis, j'ai failli me précipiter. Et finalement, j'ai trouvé la force de retourner dans la cuisine et de revenir avec la glace. Mon mari était de nouveau assis, tranquille et souriant. Là, vraiment, j'ai compris qu'il était capable de tout et que rien ne l'arrêterait. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai dit que j'avais besoin de la nuit pour réfléchir encore, que je lui téléphonerais le lendemain. Et il est parti. Vous l'avez appelé le lendemain? Oui. En reconnaissant ma voix, il s'est d'abord mis à bafouiller. Puis il est resté muet de saisissement. J'en ai profité pour lui dire que j'avais réfléchi, que décidément je ne divorçais pas, et j'ai raccroché. Et l'idée ne vous est pas venue que c'était peut-être le provoquer davantage, et inutilement? Non. Sur le moment, j'avoue que j'étais trop heureuse de le narguer, et ma voix a dû être très ironique. J'y ai pensé plus tard, mais je me suis dit qu'il avait profité d'une occasion fortuite et qu'il n'oserait sûrement pas recommencer. Ce en quoi vous vous trompiez? Oui. Hier soir, il tentait de m'écraser. Et ce matin, c'est lui qui téléphonait pour me narguer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a peut-être essayé de vous effrayer, simplement? Qu'en vous harcelant, en vous faisant peur, il espère vous pousser au divorce? Si vous aviez vu la voiture me frôler, malgré le bon que j'ai fait, vous ne me poseriez pas la question. Et malgré cela, vous ne voulez toujours pas divorcer? Non. Parce que vos convictions vous l'interdisent? Il ne s'agit plus de cela maintenant. J'ai beau avoir peur, je ne veux pas céder devant la menace. Tout plutôt que de le voir triompher et se moquer de moi. Vous ne croyez pas que c'est peut-être poussé un peu loin? Pour une satisfaction d'amour propre, c'est tout de même risquer de payer très cher. Vous voulez dire que je devrais céder? Pourquoi pas? Après tout, mieux vaut vivre divorcé que mourir marié, non? Franchement, vous m'étonnez, monsieur le commissaire. Je ne m'attendais pas à un tel conseil de la part de la police. Ce n'est pas le policier qui vous dit ça, madame. Je pense d'abord à vous et au danger que vous courez. Oui, bien sûr, je comprends. Seulement, c'est tout de même le policier que je suis venu voir. Allô, Dubois. Oui, désolé de te réveiller, j'ai besoin de toi. Ah, chez vous, patron. Et quelle heure est-il? 10:30. Ah,
cache, ça, alors? Qu'est-ce qui se passe? Un meurtre à Passy, rue Saint-Ger. Ça ne te dit rien? Un meurtre, rue Saint-Ger? Non! Alors, vous voulez tout de même pas parler de la petite dame de cet après-midi? Si, si, mon vieux, si. Le commissaire du quartier vient de m'appeler à l'instant. Ah, pas ça, alors. Je préviens le parquet, je saute dans un taxi, je passe te prendre. Je serai au bas de chez toi dans un quart d'heure. Bon, bon, ben je m'habille, je descends. Et comment est-ce arrivé, patron? Trois coups de revolver à bout portant, dont un en plein cœur. Pauvre femme, on peut dire qu'elle le sentait. Ça, je ne sais pas si elle le sentait, mais toi, tu n'y es pas du tout. Parce que les coups de feu, c'est elle qui les a tirés. Et c'est le mari qui est mort. Maintenant, dépêche-toi, j'arrive. Madame le Royer, pourquoi ne m'avoir pas dit que vous étiez armée hier après-midi? Je ne l'étais pas encore, monsieur le commissaire. C'est hier soir seulement que l'on m'a donné ce revolver. Qui vous l'a donné? Une amie. Qui s'appelle? Vous voudriez ne pas le dire et je le comprends, mais c'est inutile, croyez-moi. Vous pensez bien que nous retrouverons facilement cette amie. Si ça peut vous rassurer, d'ailleurs, je vous signale que le fait de vous avoir prêté une arme n'est pas un crime en soi. Il s'agit de ma meilleure amie, Christiane Reverdin. Elle était au courant des menaces de mon mari et après vous avoir vu, j'ai passé la soirée chez elle. Je lui ai rapporté notre entretien. Je lui ai dit que vous ne pourriez sans doute pas grand-chose. Et c'est alors qu'elle m'a proposé cette arme. J'ai commencé par refuser, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par la glisser dans mon sac. C'est bien, je vous remercie, madame. J'aurai naturellement besoin de voir votre amie, mais pour l'instant, venons-en au moment où vous l'avez quittée. Quelle heure était-il? 10h30, peut-être 11h moins le quart. Je ne me souviens pas exactement. Est-ce que je pourrais me reposer un peu, monsieur le commissaire? Je vais faire l'impossible pour ne pas vous tenir trop longtemps, madame le Royer, mais je suis obligé de vous poser quelques questions. Oh. Le parquet ne va pas tarder, il me faudra faire un premier rapport. Si je ne le faisais pas, le magistrat instructeur vous interrogerait lui-même et peut-être avec moins de ménagement. Se lever au milieu de la nuit pour constater un meurtre ne dispose guère à la patience, vous savez? Oui, je comprends. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Vous êtes vraiment très compréhensif. Voulez-vous boire quelque chose, d'abord? Oui, peut-être. Il y a du cognac et des verres dans ce petit meuble, s'il vous plaît. Vous êtes donc parti de chez votre ami vers 11h moins le quart. Bon. Et comment se fait-il, vous ayant vu inquiète au point de vous remettre un revolver, qu'elle n'ait pas proposé de vous accompagner? Elle me l'a proposé, mais j'ai refusé. J'avais décidé de laisser ma voiture devant ma porte. Comme beaucoup de gens sont encore en vacances, il y a des places. Ce qui me faisait peur, surtout, c'était d'aller de mon garage jusque chez moi. Et pourtant, en fin de compte, ce n'est pas sur ce trajet que votre mari vous attendait. Non. Où se trouvait-il exactement? Dans sa voiture. Presque devant l'allée qui mène à ma porte. Mais de l'autre côté de la rue. Vous l'avez vu tout de suite en arrivant? Non. Et vous deviez être sur vos gardes, pourtant. Oui, mais ses phares étaient éteints. Et ce côté de la rue est plutôt sombre. Je venais de ranger ma voiture et d'en sortir lorsqu'il a ouvert la porte de la sienne. J'ai sursauté, je me suis retournée et je l'ai vu. Malgré l'obscurité de la rue? Non, à vrai dire, en temps normal, je ne l'aurais pas reconnu, mais là, j'ai su tout de suite que c'était lui. Oui, je comprends. Je me suis mise à courir vers ma porte, mais je l'ai entendu s'élancer derrière moi, et je me suis sentie prise d'une véritable panique. Il n'a rien dit? Il ne vous a pas appelé? Non. C'est probablement ce qui m'a rendue folle de peur. De l'entendre ainsi derrière moi, silencieux, j'ai compris qu'il était vraiment là pour... Je ne sais plus. S'il m'avait appelé, s'il avait seulement prononcé mon nom, je me serais peut-être arrêtée. Mais ce silence, c'était...
Ah, c'était terrible. Mais vous-même, pourquoi n'avez-vous pas crié? Vous n'avez pas appelé au secours? Je ne sais pas, je pensais qu'à courir. Quand je suis arrivée dans l'entrée et que j'ai vu que l'ascenseur était là, je me suis crue sauvée. Je me suis précipitée comme une folle, mais au même instant, j'ai réalisé que je n'y arriverais pas. À cause de la porte qui se referme très très lentement et que l'on ne peut pas tirer plus vite. Et ensuite? Je ne sais plus. Je me suis souvenue du revolver. J'ai pensé que je pourrais lui faire peur et je l'ai sorti de mon sac. Au même instant, il arrivait sur la porte et fonçait sur moi. Les yeux lui sortaient de la tête. Il avait l'air d'un fou. Et c'est alors que vous avez tiré? Oui. Il est tombé. Mais sa main est restée agrippée à la porte et j'ai vu que je ne pourrais pas sortir sans le toucher. Je me souviens que je me suis mise à hurler. Et puis c'est tout. Quand j'ai repris connaissance, j'étais étendue au milieu du hall avec des gens tout autour de moi. Oh. Je n'en peux plus, monsieur le commissaire. Tenez. Tenez, buvez. Buvez, ça vous fera du bien. Merci. Il ne me reste à vous demander que quelques renseignements qui me permettront de compléter mon enquête. Comme l'adresse de votre mari, par exemple. Amut Ségur 63. Est-ce également le domicile habituel de son ami? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Ils y vivaient ensemble, en tout cas. Comment s'appelle-t-elle? Evelyne Landry. Est-ce que vous savez dans quelle région des États-Unis elle séjourne actuellement? Oh non. Mon mari m'a dit ça en passant, mais sans me donner de détails. À propos, est-ce qu'il a de la famille? Aucune famille, non. Quant à ses amis, ils ont pu changer. Et sa secrétaire vous renseignera mieux que moi. L'usine et les bureaux sont à Montreuil. Oui, je sais. Vous m'avez dit être marié en communauté. Est-ce vous qui allez hériter ou bien votre mari avait-il fait un testament? Oh, il m'a parlé d'un testament. Probablement en faveur d'Evelyne Landry. Mais qui me donne priorité pour racheter les parts de l'usine. Il y a longtemps de cela? Tout de suite après notre séparation. Lorsque nous nous sommes mis d'accord. Et il a donc très bien pu, depuis, changer ses dispositions. C'est évidemment possible. Mais je crois qu'il m'en aurait parlé. Oui. Eh bien, je crois que ce sera tout pour l'instant, Madame Le Royer. Vous allez pouvoir vous reposer un peu. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Est-ce que... Comment les choses vont-elles se passer maintenant? La décision appartenant au juge, je ne saurais vous le dire exactement. En principe, s'il admet d'emblée la légitime défense, vous devriez être laissé en liberté provisoire. Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'il pourrait ne pas y croire? Il ignore tout de ce qui a précédé. Et le drame s'est déroulé sans témoin. Alors, il peut naturellement se poser quelques questions et vouloir étudier le dossier d'abord. Autrement dit, je vais aller en prison? Non, pas en prison, non, rassurez-vous. Ni même au dépôt. Si le juge exigeait 24 ou 48 heures de garde à vue, je m'arrangerais pour qu'on vous admette à l'infirmerie. Après une telle épreuve, ça n'aurait d'ailleurs rien d'une faveur spéciale. Oh, comment vous remercier, monsieur le commissaire? Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais supporté tout ça. Vous ne m'avez pas menti, finalement, en me disant que vous n'étiez pas un policier comme les autres. Ne croyez pas cela, Madame Le Royer. Ce serait une erreur. Certains de mes collègues peuvent avoir une méthode et des manières un peu différentes, mais en fin de compte, nous avons tous le même but, la recherche de la vérité. Et en cela, croyez-moi, je ne me distingue nullement de mes collègues. Et alors, patron? Alors quoi? Où en sommes-nous?
Qu'est-ce qu'il a décidé, monsieur le juge? Liberté provisoire. Il croit dur comme fer à la légitime défense. Et vous? Oh, je ne sais plus. Ou bien cette femme est la comédienne la plus extraordinaire que j'ai jamais vue en dehors d'un théâtre. Ou alors, c'est mon imagination qui me joue des tours. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Une partie de poker. Oh. De la patience, du bluff, et pas de nervosité. Seulement si j'ai raison, si elle a vraiment été capable de manigancer et d'exécuter un plan pareil, j'ai dans l'idée que ce sera une sacrée partie. Je peux rester? Ah non, non, ça désolé, non, impossible. Non, oh, non, 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 fais pas cette tête-là. J'ai fait réparer le système d'écoute. Tu n'auras qu'à te brancher sur mon bureau, écouter et prendre en note le plus important. Bon, bon, ça va, n'en parlons plus, mais si c'est votre imagination qui vous joue des tours, comme vous dites, si tout s'est passé comme elle le prétend, hein? Eh ben, dans ce cas, tu m'entendras jouer un bien vilain rôle. Le méchant policier s'acharnant contre la pauvre innocente. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Ou elle se fout de nous, et on peut tout de même pas la laisser continuer, ou elle dit la vérité, et elle va encore passer un mauvais moment. Parce que j'y resterai jusqu'à minuit, et même au-delà, s'il le faut. Mais je te jure que j'en aurai le cœur net. Bon. Eh ben, je suppose qu'elle va pas tarder. C'est tout? Pas d'autres instructions? Non. Si la réponse à notre télégramme arrivait, tu me l'apportes immédiatement. Et bien entendu, si tu avais une idée de génie, tu me passes un coup de fil. Non, ben ça, je vous promets rien. Enfin, je fais de mon mieux. Tiens, les voilà. Eh ben, fais-la entrer. Et dis aux gardiens qu'ils peuvent disposer. Je les rappellerai si c'est nécessaire. Très bien. Bonne chance, patron. Madame Le Royer? Ah, vous pouvez disposer, les gars. Le patron vous fera signe s'il a besoin de vous. Allez, entrez, madame. Voilà. Eh bien, patron, je vous laisse. À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Asseyez-vous, madame Le Royer, je vous en prie. Comment allez-vous depuis hier? Beaucoup mieux, je vous remercie. Le personnel de l'infirmerie est très aimable. Parfait. Je suis très heureux de vous trouver en meilleure forme. Il va falloir que nous parlions un peu plus sérieusement. Pourquoi plus sérieusement? Jusque-là, je ne me souviens pas que nous ayons plaisanté beaucoup. Aussi bien, n'est-ce pas ce que je voulais dire? Nous allons simplement reprendre et tenter d'éclaircir un peu mieux certains points de vos déclarations. Dois-je comprendre que vous me soupçonnez de vous avoir menti sur certains points? Oh, pas exactement, non. Voilà. Je vais jouer avec vous un jeu très franc, madame Le Royer. Car si je vous soupçonne effectivement d'avoir menti, ce n'est pas seulement sur certains points, mais de A jusqu'à Z. Vous avez raison. Voilà qui est on ne peut plus franc. Oui. Et ce n'est pas tout. J'ajoute que je suis là-dessus en contradiction totale avec le juge d'instruction, lequel vient de décider votre mise en liberté provisoire. Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Oh, c'est très simple. Le juge pense que vous avez effectivement été assailli par votre mari et que vous l'avez tué en état de légitime défense. Moi, par contre, je pense qu'il s'agit d'un assassinat longuement prémédité et exécuté avec un rare sang-froid. Vous me faites beaucoup d'honneur, mais je préfère néanmoins la version du juge. Moi aussi, madame. Ou plutôt, je préférerais. Je préférerais que vous ne soyez rien d'autre que la jeune femme intelligente et charmante que vous paraissez être. Malheureusement, mon devoir est de découvrir la vérité, non de choisir ce qui me conviendrait le mieux. Autrement dit, vous allez passer outre aux ordres du juge d'instruction. Ne m'avez-vous pas dit que c'était là un abus d'autorité sévèrement réprimé par le code? N'ayez pas l'air de trop ignorer le code d'instruction criminelle. Voulez-vous que le juge ait décidé de vous laisser en liberté ne signifie nullement que l'enquête soit close. Et vous le savez très bien. Cela veut dire simplement que le secret de l'instruction ne nécessite pas votre incarcération et que l'on ne pense pas que vous tenterez de prendre la fuite. Pour le reste, l'enquête se poursuit. C'est moi qui en suis chargé. Et vous êtes ici le plus légalement du monde pour répondre à mes questions. Simplement, lorsque j'aurai terminé,
vous serez libre. À moins... Oui. À moins qu'un fait nouveau n'intervienne d'ici là, bien entendu. Vous ne dites plus rien. Vous m'annoncez que je suis ici pour répondre à vos questions. Posez-les. Je vous répondrai. Oui, à vrai dire, et plutôt que de vous questionner beaucoup, je voudrais que vous m'écoutiez d'abord. Partant du principe que vous m'avez menti de A jusqu'à Z, ainsi que je viens de vous le dire, j'ai reconstitué votre imagination tout entière. Et vous allez voir que ma version se tient pour le moins aussi bien que la vôtre. Ça ne peut être que du roman. Mais c'est sûrement très intéressant. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Un roman, oui, oui, peut-être. Dans ce cas, disons qu'avec le même sujet et en partant dans des directions diamétralement opposées, nous avons construit chacun le nôtre. Et ne souriez pas trop. Je vous assure que le vôtre ne tient qu'à un fil. L'important dans un roman, c'est que l'on y croit. Peu importe le nombre de fils. Un seul, c'est tout de même bien peu et il ne faudrait pas grand-chose pour le casser. Pour être précis... La découverte d'un seul mensonge suffirait. Désolée, je ne vous suis plus. Alors écoutez-moi bien, Madame Leroyer. Je n'ai pour l'instant qu'une certitude. Mais c'est une certitude absolue et irréfutable. Votre histoire se tient, il est encore possible que je me trompe grossièrement. Auquel cas, je vous demande pardon par avance. Mais si je découvre que vous m'avez menti une fois, une seule, alors plus rien ne tient. Et ce sera là la preuve que vous m'avez menti d'un bout à l'autre. Parce que ? Parce que votre déposition d'avant le drame, vous êtes venu la faire spontanément. Personne ne vous demandait rien. Et vous avez même dû insister beaucoup pour que je vous reçoive. Si vous étiez vraiment menacé, si vous avez dit vrai, c'est parfait. Mais si vous avez menti, ce ne pouvait être qu'en prévision de ce qui allait suivre. Si vous avez menti, c'est que vous aviez prémédité d'abattre votre mari et que vous aviez trouvé ce moyen diabolique de le faire ouvertement la légitime défense. C'est un moyen qui réclame beaucoup d'imagination, une préparation minutieuse. Mais qui présente aussi d'énormes avantages. On a tout le temps qu'il faut pour ne rien laisser au hasard. On peut choisir le moment avec précision. Et surtout, une fois le crime accompli, pas besoin de se cacher. On se présente en victime. On s'offre à la pitié des juges. Et c'est gagné d'avance. Décidément, j'avais raison. Tout cela est passionnant. Mais votre postulat est tout de même un peu facile. Et j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi j'aurais prémédité de tuer mon mari. Le propre d'un postulat étant de permettre une démonstration, laissons le mobile pour l'instant, voulez-vous? Comme il vous plaira, monsieur le commissaire, laissons donc le mobile et venons-en à votre démonstration alors. Pour commencer, je vous avouerai qu'en écoutant votre histoire, je ne l'ai nullement mise en doute. Ce n'est qu'une fois votre mari mort... à votre place, en quelque sorte, que j'en suis arrivé à me poser certaines questions. Oh, je vois. Ma seule erreur, en somme, ce serait d'avoir accepté un revolver et de ne pas m'être laissé assassiner. Quand on est menacé, on a le droit et même le devoir de se défendre, c'est entendu. Reste à savoir si vous étiez réellement menacé, Madame Leroyer. Toute la question est là. Et nous allons essayer d'y répondre, voulez-vous? Pourquoi pas? Quand on accepte un jeu, il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Rappelez-vous tout de même qu'il ne s'agit pas vraiment d'un jeu, et que le danger pour vous est réel. D'autre part, vous êtes libre de le prendre en souriant, mais je vous signale qu'il ne vous appartiendra pas d'arrêter la partie. Bon gré, mal gré, il vous faudra effectivement aller jusqu'au bout. Je tâcherai de m'en souvenir, monsieur le commissaire. Vous voudriez donc savoir si mon mari a réellement tenté de m'assassiner, disiez-vous. Eh bien, je suis la première à reconnaître que personne ne l'a vu au moment où il tentait de m'écraser. Mais vous avez tout de même trouvé un témoin qui l'a vu stationner non loin de mon garage, non? Certes.
Mais puisque nous admettons une machination au départ, vous auriez très bien pu lui demander de vous attendre à cet endroit. Vous n'irez pas au rendez-vous, vous le savez d'avance, mais votre mari vous attendra un certain temps et avec de grandes chances d'être aperçu. Ça n'aurait pas été impossible, évidemment. Par contre, pour les empreintes sur le flacon de mon somnifère, je serais curieuse d'entendre vos explications. N'ayant pas revu mon mari depuis plus d'un an, et cela, plusieurs de ses amis pourront vous le confirmer. Vous n'allez tout de même pas prétendre que j'aurais conservé un ancien flacon en prévision d'un crime éventuel. Ce ne serait pas sérieux, vous avez raison. Et ce serait chercher midi à 14 heures. Nous avons retrouvé les empreintes de votre mari sur ce flacon, et je veux bien croire qu'il les y a laissées 3 jours avant sa mort. Mais, en quoi cela prouve-t-il qu'il est tenté de vous assassiner? Voulez-vous me le dire? À mon avis, cela prouverait plutôt le contraire. Car de nos jours, en effet, avec le cinéma, les romans, la presse, le premier imbécile venu pense aux empreintes. Or, votre mari, autant que je sache, était loin d'être un imbécile. Si j'étais morte d'avoir absorbé trop de somnifères, tout le monde aurait pensé à un suicide. Et il est à peu près certain que personne n'aurait pensé aux empreintes. D'ailleurs, oui, mon mari aurait toujours pu trouver une explication. Bien sûr, voyons, il aurait pu dire, par exemple, tout en se défendant d'avoir versé une dose anormale, que vous lui aviez demandé de vous préparer votre somnifère. Par exemple, oui. Oui. Pourquoi riez-vous? Parce que je pense que c'est très exactement ainsi que la chose s'est passée, Madame Leroyer. Votre mari n'étant pas venu pour vous assassiner, mais simplement pour parler avec vous, et probablement à votre demande, contrairement à ce que vous prétendez, rien de plus facile que de lui demander ce petit service. Petit service qu'il s'empresse de vous rendre, sans se préoccuper le moins du monde de ses empreintes, et pour cause. Car tout cela est bel et bon, mais il n'y a toujours que vous pour affirmer qu'il vous a versé une dose mortelle. Si bien que là encore, j'ai eu tort de ne pas mourir. Sans aller jusque-là, je suis bien obligé de constater que vous n'êtes pas morte et que c'est votre mari qui n'est plus là pour vous contredire. Quand je vous ai proposé de lui rendre visite, il était vivant. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'attendre. Proposition très astucieuse et sans grand danger pour vous. Avec le peu de charge que vous m'apportiez, vous saviez très bien que je n'allais pas me précipiter chez lui. À vous entendre, on croirait vraiment que tout le monde est au courant des usages de la police. Tout le monde, non, mais vous êtes licencié en droit, si je ne m'abuse. Je vous pose une question, Madame Leroyer. Oui, je suis licencié en droit. Vous m'avez proposé de rendre visite à votre mari, c'est vrai. Mais si je vous avais prise au mot, vous eussiez sans doute été bien embêté, car il y a gros à parier que je me serais trouvé alors devant un homme complètement ahuri. Pourquoi? Mais parce qu'il n'avait jamais songé un seul instant à vous assassiner, tout simplement. Vous m'avez tracé de lui un portrait assez vague, mais qui aurait dû cependant éveiller ma méfiance. Car un homme qui aime beaucoup les femmes, en général, ce qui était son cas, on me l'a confirmé, ne tue pas pour une seule. Et si le proverbe est assez commun qui dit « une de perdue, 10 de retrouvée », il ne manque pas finalement d'une certaine sagesse. Bien, voilà de la police psychologique où je ne m'y connais pas. La psychologie a du bon, croyez-moi, et plus encore lorsqu'elle est confirmée par les réactions de quelques témoins. Sa secrétaire et 2 de ses amis ont ouvert des yeux comme des soucoupes quand je leur ai demandé d'imaginer votre mari en assassin. Le contraire eût été étonnant. Un homme qui prémédite un crime ne va pas s'en vanter. Il est bien normal que ses amis n'y croient pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les gens qui ont vécu sans le savoir à côté de certains criminels. Après coup et preuves en main, ils ont du mal à y croire. Votre mari n'avait rien d'un monstre. C'était un homme solide et bon vivant. En y réfléchissant d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est ici que votre histoire ne tient pas. Voilà un homme qui vous a quitté il y a 2 ans, prenant son parti de votre refus de divorcer. Et brusquement, d'un jour à l'autre, le voici prêt à vous supprimer pour l'obtenir. Mieux, il vient vous voir pour vous mettre en garde et vous signifier qu'il est prêt à tout. Mais c'est tout juste s'il ne vous tue pas avant de vous prévenir. C'est bizarre, non? Je vous ai dit qu'il avait probablement profité d'une occasion fortuite. Il a vu mon somnifère. Il a soudain pensé que c'était facile. Et voilà tout. Et voilà tout. Il ne pense pas aux empreintes et pas davantage aux soupçons qui se porteront forcément sur lui. Pourquoi forcément? Parce que c'est l'enfance de l'art. Quand une femme meurt empoisonnée le soir même où son mari lui rend visite pour la première fois depuis 1 an, il est normal que la police s'interroge. C'est vous qui le dites.
On a déjà vu la police passer à côté d'un crime qui crevait les yeux. C'est possible. Mais vous ne me ferez jamais croire qu'un homme comme votre mari a pu compter sur un hasard aussi problématique. Vous avez raison, monsieur le commissaire. Je ne vous ferai pas croire cela, ni quoi que ce soit d'autre. Vous avez décidé que j'avais menti, que j'ai tué mon mari, et vous avez construit un assez bon scénario autour de votre conviction. Vous faites votre travail, je ne vous en veux pas. Mais il me devient difficile de prendre tout cela légèrement, et le moment est venu d'en finir avec tant de suppositions gratuites. Pourquoi aurais-je tué mon mari, monsieur le commissaire ? Pour être franc, je l'ignore encore. Mais mon enquête ne fait que commencer et je n'ai guère eu le temps de me renseigner sur vous. Supposons... Encore ? Eh oui, encore. Je vous en demande pardon, mais notre métier est fait de suppositions, que l'on vérifie après coup. Je disais donc, supposez que je vous découvre un amoureux. Un amoureux ? Vous avez 35 ans, vous êtes une femme plus que charmante, Madame Leroyer, vous n'allez pas demeurer seule toute votre vie quand même. Maintenant que je suis veuve, certainement pas. Ne jouons pas sur les mots, ne soyez pas trop cynique, je vous en prie. Même sans devenir veuve, une femme comme vous ne reste pas seule à 35 ans. Que savez-vous d'une femme comme moi ? Je vous ai dit que pour que moi... Que vous n'acceptiez pas le divorce et que vous aviez de grands principes, je sais. Mais ne voyez-vous pas que ce pourrait être là un excellent mobile, précisément ? Quand le divorce n'existe pas, il reste néanmoins l'espoir du veuvage, justement. C'est exact. Et l'on vient même de faire là-dessus un excellent film. Laissez dans le cinéma, répondez à ma question. Avez-vous un amoureux ? Je n'ai pas d'amant, si c'est ce que vous voulez dire. Mais je vous signale que pour cette fois, votre supposition est franchement stupide. Si j'étais amoureuse et que je veuille être libre, j'aurais accepté le divorce depuis longtemps. Et vos principes, Madame Leroyer, et votre orgueil ? Mais oui, vous avez raison. Grâce à vos dons de psychologue, vous m'avez découvert des mobiles. Et moi, puisque nous sommes dans les dons, c'est grâce à celui de double vue que j'ai pu tuer mon mari, je suppose. Car non contente d'avoir machiné ce plan extraordinaire, j'aurais encore deviné que mon ami Christiane allait me donner un revolver. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Je me demandais lequel de nous deux en parlerait le premier. C'est là votre meilleur argument, du moins le croyez-vous, et il vous fallait bien me le servir. Désolé, je ne comprends pas. Vous saviez depuis longtemps que votre ami possédait un revolver. Encore qu'à contre-cœur, il a été obligé d'en convenir. Et après ? Après, ce fut un jeune enfant. En racontant à Christiane Reverdin les menaces imaginaires de votre mari, en jouant la peur, en ajoutant que la police ne pouvait rien pour vous, vous l'avez poussé tout doucement à vous proposer cette arme. Vous vous êtes fait prier pour la forme, et afin de pouvoir en faire état plus tard. Mais vous l'avez finalement prise, conformément à votre plan. Décidément, vous me flattez de plus en plus. Car si j'avais été capable de mener à bien un plan aussi machiavélique, convenez que je serais tout de même une femme assez exceptionnelle. Mais vous êtes une femme exceptionnelle, Madame Leroyer. Exceptionnelle d'intelligence, de volonté, de sang-froid, mais aussi d'orgueil, malheureusement. Vous y tenez, à ce qu'il paraît. À votre orgueil ? Oui. Et pour un peu, je dirais même, à votre monstrueux orgueil. Mais non, laissons cela. Venons-en maintenant au dernier point de votre plan, c'est-à-dire à l'exécution, proprement dite. Non, je refuse. J'en ai assez. Je vous rappelle que la règle du jeu, oui, je sais. Et je sais aussi que j'ai tort de m'énerver. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes là à supposer, à construire, et à tout faire pour que je perde mon sang-froid. Mais il n'y a pas le début du commencement d'une preuve dans tout ça. Vous laissez courir votre imagination et tant pis pour le reste, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis désolée, mais je ne joue plus. Soutenez votre hypothèse, obtenez mon inculpation, et que l'on m'envoie devant les assises. Nous verrons bien si le juré acceptera de suivre vos divagations. Décidément, vous êtes encore plus forte que je ne le pensais, Madame Leroyer, et je ne puis me défendre d'une certaine admiration à votre égard. Mais quel dommage! Quel dommage de voir finalement tant d'intelligence au service d'un crime sordide. C'est navrant. Gardez vos arguments et vos regrets pour le tribunal. Pour moi, je ne répondrai plus qu'au juge d'instruction, lorsqu'il m'aura inculpé et que j'aurai un avocat. C'est mon droit le plus strict. Parfaitement exact, mais je vous comprends mal. Je comprends mal pourquoi vous refusez soudain de me répondre alors que j'ai presque terminé, que j'en arrive à l'exécution de votre mari. Y aurait-il dans ce dernier acte un détail que vous ne puissiez expliquer,
De votre part, ça m'étonnerait. Ce qui serait plus étonnant encore, c'est que vous n'ayez pas, vous, une savante démonstration à faire. Ma foi, vous avez raison. Notez cependant qu'il ne s'agit plus de psychologie, mais d'une démonstration toute matérielle. Pour ne rien vous cacher, d'ailleurs, c'est même de là qu'est venu mon premier soupçon. Je pourrais fort bien ne pas vous en parler. Devant un tribunal, en effet, ce pourrait être un argument surprise et de poids. Et pourtant, vous allez m'en parler quand même, n'est-ce pas? Vous êtes tellement généreux. Disons plus modestement que je serais curieux d'entendre votre dernière explication. Eh bien, curiosité pour curiosité, et s'il s'agit vraiment de votre dernière trouvaille, je vous écoute, monsieur le commissaire. Qu'avez-vous donc trouvé de si important? Une simple question préalable, si vous permettez. Soutenez-vous toujours que votre mari vous poursuivait et qu'il se jetait sur vous quand vous avez tiré? Évidemment, oui. Pourquoi? Comment expliquez-vous alors qu'emporté par son élan, il ne soit pas tombé dans l'ascenseur? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, j'ai tiré dans l'affolement et sans bien me rendre compte. La première balle a dû l'arrêter net et provoquer un mouvement de recul. Impossible. Ah. Eh bien alors, si vous savez mieux que moi ce qui s'est passé, je vous écoute. Le rapport du médecin légiste est formel. La première balle est celle qui a pénétré dans le cœur et la mort a été foudroyante. Et alors? Alors, votre mari ne courait pas. Vous lui aviez sans doute donné rendez-vous chez vous. Arrivé avant lui, vous avez attendu dans l'ascenseur et quand il a ouvert la porte, vous l'avez abattu froidement et à bout portant. Voilà pourquoi il est tombé devant l'ascenseur, sa main restant agrippée à la porte. S'il avait été en train de foncer, comme vous dites, la balle ne l'aurait pas arrêté net. C'est astucieux. Mais je vous fais remarquer que c'est une fois de plus votre parole contre la mienne. Les experts apprécieront. Vous êtes très sûr de vous, n'est-ce pas? Vous avez perdu votre sang-froid durant quelques instants, mais vous vous êtes reprise et vous voilà toute prête à affronter les assises. Ma théorie ne reposant que sur des présomptions, vous comptez sur votre charme et sur le bénéfice du doute. Vous oubliez simplement que mon enquête n'est pas terminée, Madame Leroyer. Eh bien, terminez-la sans moi. Je n'ai plus rien à vous dire. J'ai montré beaucoup de patience, mais je vous rappelle que le juge d'instruction a décidé ma mise en liberté provisoire. À moins que vous n'ayez quelques faits nouveaux à lui communiquer, mais je dis bien, des faits, et non des suppositions. Vous ne pouvez vous opposer à ce que je m'en aille. C'est exact, et je ne m'y oppose pas. Je vous demanderai simplement de ne pas quitter Paris et de me dire où je pourrais vous joindre en cas de besoin. Ne vous inquiétez pas, monsieur le commissaire. Si le plaisir vous est offert de m'arrêter un jour, vous me trouverez chez moi. Vous êtes persuadé que cela n'arrivera pas. Mais vous avez... Pardon. Oui? Bon, eh bien, apporte-le-moi. Qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est toi, patron, je... Tais-toi. Donne. Voilà. Oui. Oui, ben... Évidemment. Bon, je te remercie, tu peux disposer. Oh. N'oublie pas que tu as du travail, tu me feras plaisir. Du travail? Ah oui, bien sûr, j'y vais, patron. J'y vais. C'est fini, Madame Leroyer. Vous avez perdu. Ah. Oui. Cette faille dans votre histoire, cette preuve d'un mensonge que je cherchais. Je l'ai maintenant ici, noir sur blanc. Ce petit télégramme contient la clé de toute votre machination. D'où vient-il? D'Amérique. De San Francisco, pour être précis. De San Francisco, mademoiselle Evelyne Landry vient de s'installer définitivement. Je ne comprends pas. Ça m'étonnerait, mais je veux bien vous lire le télégramme. Écoutez. Réponse à votre câble vous signale que ne suis pas États-Unis pour vacances, mais définitivement, après rupture avec Georges Leroyer.
aimant liberté avant tout, trouver pratique ne pas divorcer pour ne pas épouser à nouveau. Lettre suit. Voilà, Madame Leroyer, c'est tout. Quand j'ai su qu'il avait rompu avec cette fille, je lui ai demandé de venir me voir pour lui dire que j'étais prête à reprendre la vie commune. Depuis qu'il était parti, je n'avais jamais cessé d'espérer son retour. Je le lui ai dit, et aussi que j'étais prête à bien des concessions. Il m'a ri au nez. J'ai essayé de l'arrêter, de faire en sorte qu'il ne détruise pas tout, mais il était trop tard. Toujours en riant et avec une sorte de joie mauvaise, il s'est moqué de moi, de mon amour et même de notre passé. J'ai pleuré. Et pour essayer de l'arrêter, j'ai levé la tête et je lui ai montré un visage qui ne devait pas être beau à voir. Une femme ne se montre pas volontiers ainsi, mais c'était pour moi la dernière tentative. Oui. Non seulement il ne s'est pas arrêté, mais il s'est mis à rire de plus belle. C'est tout, monsieur le commissaire.